Je crois. C'est ça, je vais pas, tu m'as dit. Ouais, c'est les filles que j'ai coché là et pour Nice c'est classique. Alors, voilà. C'est en noir là, c'est normal ça? Je vais donner des
4. Tu sais où est-ce qu'on voit le... Ah, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc là, on a les sacs et là, on a le live. Bien. Ça marche ou non? Bah, dis-moi parce que on n'a pas arrêté de faire des bêtises. Tu nous envoies un texto? Si ça me plaît, ouais. Ça marche. Bon, attends, on dit rien là. Bah, non, bah attends. Ça fait ça, toi. Merci. Moi, j'ai une mienne. C'est pour corriger ça là. Et il y a 40 secondes de décalage. Décalage, ouais. Donc il faut bien commenter celle-là, quoi. Ah oui. Pas là. C'est ça qui va être plus compliqué. Oui. C'est encore ça, si on dit à l'envoi. Je vais en mode avion. Sur rien ici pour que ça déclenche, tu vois, je sais pas. Come on!
match aller, Alex, qui a commencé il y a quelques minutes déjà. Je suis en compagnie d'Alexandre Mikhailov, entraîneur du centre de formation du Kavigan de basket. Tu as dit soi-même ce que j'envoie, tu en as dit, c'était commentatrice pour le club et pour ce match ce soir. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Sophie. Match pour la 16e de finale de l'Eurocoupe contre une équipe turque constituée pour l'Euroleague avec sur le parquet trois joueuses titrées en double NBA cet été au Sparks de Los Angeles. Donc un gros défi pour les Miss Angels ce soir. Du côté des Miss Angels, on a commencé avec un 5 majeur classique. Sopalanen et Lilia Touré a pris la place de Camille Aubert et Alix Duché, blessée. Dans les ailes, on a Rosa Anderson et Romy Barre. Et de tout, Laetitia Tamba et Victoria Macaulay qui seront le pivot ce soir. Ça fait déjà 4 minutes que nous avons commencé et l'avantage est pour l'instant à l'équipe turque. Et en face, à l'équipe turque constituée par son duo américain sur la ligne arrière, accompagné de Peters et de Dubicevic, la montée des grilles, ainsi que Mima Mazic, une joueuse connue du championnat de France qui a déjà évolué à Tarbes en 2012-2013. Quelle stratégie est mise en place en tout cas par les Miss Angels pour contrer cette équipe turque. Tammy Chavoy qui dans ses œuvres, joueuse WNBA, grosse coureuse, défendant la percussion, joueuse qui évolue dans ce club turc déjà depuis quelques années. Oui, 4 8 hein, pour l'instant, score en faveur de Bellona. Mina Touré qui monte la balle pour la tête de Miss Angels. Avec Laetitia Tamba qui prend le tir à 3 points, c'est loupé. Absolument, comme cette équipe arrivait à contrôler le tempo, pas laisser imposer leur rythme, avec une équipe qui est très très forte dans le jeu de relance, très athlétique, puisque on a plus de 5 joueuses à plus d'un mètre 90, donc et qui courent, qui traversent le terrain comme des joueuses arrière. C'est du main à main, avec une entourée, sur le pick and roll, qui va agresser la grande. De balle. C'est bien, juste mettre un petit peu plus d'espace entre les joueuses, bonne relation. Premier changement. Ouais, difficile hein, pour les changements. Lisa Strunk qui rentre sur le poste 1. Voilà, une petite pensée pour Alix Duché ce soir qui doit j'espère nous regarder. On pense fort à elle. Parce qu'aujourd'hui, les Miss Angels sont en tout cas deux joueuses blessées sur le poste 1, Camille Aubert et Alix Duché. Et donc, on va pas parler de bricolage, mais les joueurs sont obligés de se relayer, de se sacrifier pour l'équipe, à mesure où c'est pas leur poste de prédilection, et elles font leur mieux et elles apportent beaucoup. Ouais, l'équipe turque qui commence très fort, qui pendant la phase de poule avait gagné tous ses matchs. Nice qui avait fait de bonnes prestations ici contre ses équipes adverses avec 4 victoires et 2 défaites. Donc ça sera un match très disputé face à une équipe leader du championnat turc, actuellement 4e en championnat. Ouais, cette équipe est 4e, elle est sortie première de sa phase de poule, comme tu le disais Sophie. Effectivement, c'est une équipe qui veut aller au bout, qui a des ambitions, qui veut vraiment aller chercher un titre en Eurocoupe. L'année dernière, elle jouait l'Euroleague, elle a été reversée après en Eurocoupe avant d'être éliminée. Anne Voters sur la ligne de lancer. Échec.
sur ce jeu de transition, Romy Bain qui va jouer, qui peut aussi évoluer en joueuse sur le poste 1, qui peut organiser le jeu en tout cas, donc c'est un poste 3. Ambrosia, c'est son tir, pure gauchère, pure shooteuse, un vrai plaisir, elle dégaine très très vite, 3 points de plus pour les Miss Angels. Elle presse, mise en place. Considérablement à l'attaque turque quand même, si un auteur s'arrive à se procurer une faute. Premier temps mort de la partie. Demandé par les Miss Angels. Régler quelques petits détails derrière sur l'organisation après le tout terrain. On peut faire confiance à Rachid Mediad pour remettre ses joueuses dans le bon chemin. Et être précis sur le détail. Qui est très très précis. Il va vraiment chercher le détail pour améliorer le jeu de son équipe. De lancer France pour Anne Voters. Anne Voters bien connu de la France. Hein. Elle a commencé en étant jeune joueuse à Valenciennes. Il a été formé 18 ans quand elle est arrivée. Elle est repassée plus récemment par Villeneuve d'Ascq. Joueuse de palmarès incroyable et avec un titre WNBA l'été dernier avec les Sparks. Deuxième lancé franc réussi pour... Ah là là Sophie. Oh oui, il y a un petit décalage entre, petit décalage entre le direct et le direct. Donc du coup, vous connaissez un peu la suite. Voilà. Moins de suspense. Pour les supporters de Nice, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et les Turcs, malheureusement, je pense qu'ils ne comprennent pas. En tout cas, parce que malheureusement, j'aurais voulu faire une petite dédicace en Turc, c'était en Turc, mais je suis incapable malheureusement. Donc voilà, ça y est, le deuxième lancé franc réussi pour Anne Voters, on vous le disait il y a quelques instants. Et Nice qui repart en attaque avec Isabelle Streich à la main. Le Turc la place à Pressing, en plein tout terrain. Pression sur la menace de jeu. Ouais, pour empêcher Nice de poser son jeu. Ils savent qu'ils ont des difficultés à la main et ils en profitent. Ouais. Comme relaxial, on s'est défendu, on a plus de joueuses, on voit l'interception, il y a 3 points réussis. Ça lui avait fait mal. Un panier qui creuse l'écart entre les deux équipes pour ce premier carton, milieu du premier carton, donc 7-14. Hein. Avec une organisation pour un peu plus laisser une liberté aussi à Ambrosia Anderson, comme qui est actrice, comme shooteuse. On retrouve Victoria McCollet. Relation de jeu avec Romy Bain. Nice qui a un peu de mal à trouver des positions de shoot, à trouver des tirs ouverts. Un peu en difficulté face à la défense turque. L'interception sur le repli défensif. Je pense que Nice avait des armes à faire valoir contre cette équipe. Il faut que le jeu s'installe, il faut qu'elle trouve leur marque. Il y a vraiment beaucoup d'envergure. Les joueuses qui sont très très expérimentées. Aujourd'hui, il faut trouver les moyens de jouer. Il y a beaucoup de fragilité sur les tirs. Dans l'avenir, il faut que les joueurs se rendent dans leur match. Dans la main collée. Essayer de retrouver confiance hein, dans son jeu. Elles ont perdu leur dernier match, c'était en championnat ici d'ailleurs à la salle des rites contre le Hainaut. Une défaite au buzzer d'ailleurs qui a fait un peu mal à cette équipe de Nice qui a envie de retrouver un jeu collectif et de réapprendre à gagner, à se trouver sur le terrain sans ses menaces de jeu.
Oui, effectivement, je pense que l'équipe est un peu en manque de confiance, mais surtout du résultat. C'est dommage parce que vu la production du jeu qui était faite sur le mois de décembre, c'était de très bon augure. Après, c'est les lois du sport. Là, on voit une relation de jeu à deux entre Laetitia Kamba et Victoria Macaulay. Pazdes, qui vient de prendre Victoria Macaulay. Donc, on a donné quelque chose qui se met en route. Commencer à prendre confiance défensivement et à partir de là, ça sera plus simple de trouver le point du scoring en tout cas. Du scoring, des tirs ouverts et commencer à mettre dedans sur les shoots. À côté niçois, Marie-Paul Fopossi a pris la place de Laetitia Kamba au poste 4. Toujours cette zone presse là, qu'affectionne Rachid. Il a joué beaucoup quand on a été champion de France en Ligue 2. Il court avec ses rotations. Là, on laisse un tir ouvert dans le corner. 3 points. Marie-Paul qui cherche le cercle. Derrière, rebond maîtrisé. Avant les choix, apparemment pris par la joueuse là qui reste à terre. Oui, sur un contact là sur cette lutte. Je vous disais à Alexandre, la zone presse affectionnée par Rachid Méziane, elle permet quoi finalement cette zone presse aux joueuses là sur cette défense? Le projet sur la zone presse, comme toute zone presse, c'est déjà d'arriver à faire déjouer l'adversaire, à l'obliger à lire le jeu, à justement freiner sa montée de balle et donc déjà diminuer le rythme de l'attaque. Donc ça permet, première chose, de freiner, deuxième chose également, ça permet de couper quelques lignes de passe. Et je pense que Rachid, derrière sa zone presse, a donné des options bien claires avec peut-être une organisation de frappe sur le demi-terrain et des rotations bien précises. Patrick Bellona est une équipe très agressive en attaque qui marque beaucoup de points d'habitude pendant ces matchs. Il faut freiner tout de suite. C'est une équipe qui est très expérimentée, qui marque en Eurocup plus de 70 points par match, ce qui est supérieur à ce qu'elle marque notamment en championnat. C'est une équipe qui joue vite, qui est athlétique, aujourd'hui qui pose beaucoup de problèmes, en tout cas sur la capacité de jouer avec des talents à chaque poste. Donc à partir de là, effectivement, il faut mettre des choses en place, des choix tactiques pour essayer de trouver les bonnes solutions pour apporter quelques difficultés dans les lectures de jeu à l'adversaire. Oui, donc c'est Yelena Dublevitch qui rejoint le banc, qui apparemment n'a pas supporté le coup. Et qui s'est fait donc remplacer par sa coéquipière, la numéro 19, Gisèle Césaire. Voilà, et Kima. Voilà, qui est rentré sur le terrain. On est dans le petit jeu, fixation passe. Il faut tenir ces décalages-là. On laisse des aides trop tôt, des rotations trop tôt, et là on a du mal à s'organiser derrière. Toujours plus de pression là sur le poste 1 par des Turcs. Pour limiter en tout cas le champ d'action. Romy Barre cherche Jean Triangle avec Victoria Macaulay en passant par Marie-Paul Fopossi, la balle est interceptée. Voilà, là, l'oubli défensif. Faut vraiment qu'elle rentre dans leur match, c'est compliqué. Ouais, ça joue vite en 2-3 passes. La contre-attaque est bien jouée là sur cette relation Axe-Panier-Panier. Menace de jeu intérieur. Nouveau changement. Victoria Macaulay qui cède sa place à Jody Corneli. Je pense que quand le tirage a été fait, on était conscient en tout cas de la difficulté à jouer cette équipe qui a un rouleau compresseur, qui est vraiment construite pour aller au bout. Et quelque part,
On aurait aimé la jouer les yeux dans les yeux, on va dire, avec tout l'effectif. Aujourd'hui, on est peut-être diminué, mais je pense que déjà c'est compliqué de la tenir. C'est une équipe qui est vraiment construite pour un autre championnat. Et je pense que c'est très intéressant pour les joueuses d'être confrontées à cette opposition-là. Marie-Paul Faucon aussi, là, qui encaisse, qui laisse le drive. Ouais, il faut que Nice essaie de faire un maximum d'efforts pour diminuer les pertes de balles, comme on voit là Isabelle Strunk sur la remontée. Qui, Nice doit essayer de, voilà, d'essayer de poser son jeu, d'en profiter pour travailler et de recoller au score le plus rapidement possible, essayer de, voilà, de diminuer l'impact qu'elle est en train de subir dans ses premières minutes de jeu. Effectivement, maintenant, c'est une équipe avec des rotations complètes, des joueuses qui ont beaucoup de talent, donc la moindre erreur est sanctionnée. C'est aussi le haut niveau, là, on est au très haut niveau européen, avec des joueuses qui ont une expérience vraiment au-dessus de la moyenne. C'est pas tous les jours que vous jouez une équipe avec trois championnes WNBA. Donc aujourd'hui, il faut s'adapter avec les moyens qu'on a, trouver des solutions, être dans la dureté. C'est ce que je pense que le message qu'a fait passer Rachid. Maintenant, il faut que ça se mette en place petit à petit. Dernière possession là dans ce premier carton pour Nice. Chute d'Isabelle Strunk, c'est raté. Rebond de Bellona. Et la balle est pour sur cet entre-deux. La balle semble être. La balle est sortie. Ouais, la balle est sortie, balle turque. Il leur reste 5 secondes hein, pour shooter, traverser le terrain avant la fin de ce premier carton. Sûrement une longue passe. Tiens le drive. Donner pour la montée de balle à Niakouré. Elle va aller se présenter sur une des lancers francs. Les coachs détestent ce genre de faute frustrante où il faut défendre 5 secondes proprement. Et voilà. Ouais, des paniers cadeaux comme on dit sur ces dernières secondes de jeu avant la fin du premier carton. J'ai jamais des paniers cadeaux, il faut les mettre, mais voilà, on a toujours ce sentiment de vouloir maîtriser ça et de limiter en tout cas ce genre de choses. Et après c'est à l'appréciation de l'arbitre, là on est assez mal placé pour apprécier la faute, en tout cas, le contact. Parce que là c'est une antenne qui a dû être sifflée. Y qui assure en faisant un 2 sur 2. 9-27 en faveur de Bellona face à Nice à la fin de ce premier carton à la Salerie. Oui, c'est compliqué. Compliqué pour commencer, mais bon, je suis sûr qu'elles peuvent montrer un autre visage. Elles en sont capables. C'est une équipe qui a vraiment du cœur, comme elle a pu le montrer. Pour le scoring, Victoria Macaulay avec 4 points et la meilleure marqueuse, Dennis Angels. À côté de ça, face aux Turcs, on a Anne Waters avec 7 points. Elle présente aussi au rebond avec 3 rebonds. Michel Sigré qui pèse sur le jeu avec 5 passes d'ess. Donc le duo, la ligne d'arrière US pèse sur le jeu. On va voir quel choix a pu prendre le coach Rachid Mézian pour essayer de s'adapter aux problèmes posés par les Turcs. En tout cas, on est sûr que Nice va se battre jusqu'à la fin pour ce match. C'est historique pour le club de Nice, un match et de jouer même cette année une compétition européenne. C'était voulu par le club, c'était une volonté. C'était voulu, mais il faut saluer l'effort des joueuses, le travail du staff, Rachid Mézian, Grégory Menzer qui ont. Et aussi tous ceux de l'ombre, hein, tous ceux qu'on ne voit pas, qui ont œuvré pour ça. Et les joueuses qui... C'est exceptionnel de voir un promu monter, gagner le Challenge Round, derrière jouer une Coupe d'Europe. Je pense que si on leur avait dit que vous jouerez un 16e de finale de l'Eurocoupe, tout le monde aurait signé les deux mains.
Donc voilà, aujourd'hui, c'est beaucoup, c'est très beau. Voilà, et je pense qu'il faut voir le travail qui avance, les choses qui avancent, et c'est très intéressant pour la suite. On recherche Romy là, dans le jeu en triangle. On a repris hein, donc pour ce deuxième quart-temps, ce 16e de finale, ouais. Paire de balles du côté niçois. On repart sur une pression tout terrain, avec un déclenchement de trappe avec Paul Fopossi. Prise à deux et rotation, là, intercession de Romper. Une bonne défense agressive. Oui, intelligente, une variation sur les choix défensifs. Cherchant le jeu intérieur. Dommage, deuxième ballon qui est mal ajusté dans la peinture là pour servir les grandes. Jusqu'à les post-up. Voilà, l'erreur est des deux côtés. On commence le deuxième quart-temps avec quelques pertes de balles. Les joueuses se reconcentrent. Pareil, on cherche toujours le post-up. Sur Romy. Le passé va. Bon ballon donné par Romy Barre qui a vraiment une vision du jeu toujours très très fine. Romy Barre est une poste 3 de grande taille qui peut jouer sur le poste 1, qui a l'aisance en tout cas pour passer des ballons, qui est très habile, balle en main et qui est capable de jouer dans les post-up. Puis elle fait une de ses meilleures saisons en tout cas avec un jeu très complet. Nouvelle perte de balles. La pression d'Ennis Angels là sur ce deuxième carton qui montre son efficacité, voilà, qui met un petit peu en difficulté là, les Turcs sur cette reprise avec de nombreuses pertes de balles. L'occasion pour Nice de revenir et de recoller un petit peu au score. Attention Minia Touré. Intercepté. C'est une faute. Ouais, j'ai bien peur que ça soit sa deuxième. Contre Minia. Ouais, deuxième faute de Minia. Il reste 1 minute 44 à jouer dans le deuxième quart-temps. Bah, dans ce cas-là, il faut faire le choix de la changer en tout cas. Sur la ligne arrière en difficulté. Rentrée de Salomé Cordinier, jeune joueuse du centre de formation. Une joueuse que vous avez formée, Alex. Oui, oui, oui. Qui s'entraîne avec l'équipe professionnelle depuis le début de la saison. Joueuse qui évolue sur le poste 2. Sœur de Josie Cornelis est à côté. Ouais. Ah oui, un petit spacing là, en tout cas. On joue un petit peu vite. Onis qui n'est plus dans le coup, qui a pris deux trous d'air en défense, ce qui oblige Rachid Méziane, le coach niçois, à prendre temps mort pour rappeler un petit peu ses joueuses à l'ordre. Peut-être aussi conseiller Salomé sur ce poste 2 et sur son rôle là à venir sur le terrain, notamment en défense. Voilà, essayer de rester bien compact. Dans ces cas-là, le discours s'adresse à l'équipe. Hein. C'est rare que sur des temps morts comme ça, on s'adresse à une joueuse pour une spécificité. Là, je pense que c'est plus pour mobiliser et remettre ses joueuses en confiance. Général, voilà, pour remettre ses joueuses en confiance et stopper un peu l'hémorragie. Compliqué dans ces contextes-là de trouver les bons mots, mais je suis sûr que Rachid y arrivera. Surtout face à des équipes aussi expérimentées. Un retour des joueurs sur le terrain. Romy Barre qui assume la montée de balle. Donc c'est difficile pour les joueuses de Nice de poser leur jeu sans Menez. Et je pense qu'il y a des erreurs des deux côtés. Il y a beaucoup de pertes de balles.
premier tir pour Salomé. À 3 points, c'est à côté. Il faut que ça vienne, il faut qu'elle rentre dans son match aussi. Belle interception Laetitia Kamba. Il profite à Romy Barre qui vient scorer. Laissez moins de choses, il manque une rotation là. Dommage sur cette tête défensive, Marie-Paul vous possible de lui aider, mais voilà, la rotation c'est pas là. Se connecter en attaque et en défense et c'est beaucoup mieux. Romy Barre encore avec son spécial avec la planche, elle le fait très très bien se lâcher avec la planche et la prise du rebond. Bah, elle insiste, elle met de l'impact, c'est ça, il faut aller provoquer, il ne faut pas avoir peur ce soir. Effectivement, il ne faut surtout pas avoir peur de mal faire, ni envie de bien faire, il faut faire face à vraiment une belle équipe. Voilà, là, avec des aides cohérentes, les Astreins qui essayent de relancer le jeu, voilà, la faute est prise. Retour de Ambrosia Anderson. Et de Victoria Macaulay qui a oublié, qui s'est oublié là avec le surchauffe, voilà, ça y est, elle est en place. On repart avec les joueurs qui ont commencé le match, plus Salomé Cordinier du fait du problème de faute de Minia Touré. L'envergure gêne, l'envergure sur l'utilisation du pick and roll avec... se zoner, se protège que fait un voteur, plus l'envergure des autres joueuses, les joueuses qui font 1m90, plus d'1m90 et qui ont des envergures supérieures, c'est certain qu'on passait les ballons, les choses sont plus compliquées. Et retour de Minia Touré à la main, à la place de Salomé. Bonne collaboration défensive avec le switch là, le changer en tout cas sur le pick and roll, sur le step après le step out. Toujours cette pression hein, sur le porteur de balle tout terrain. Hein. Ils en placent par les Turcs. Hein. Alors elles insistent un peu plus sur la fermeture des post-up de Romy. C'est sanctionné par les arbitres. C'est une faute. De l'écran, c'est dommage, bonne lecture sur le drive de Minia Touré. Et derrière ça part vite. Et ça part très vite et puis voilà, c'est shoot dedans. Shoot 3 points, voilà, dans le corner, c'est dedans. C'est le haut niveau. Une joueuse qui est seule, mais dedans. J'essaye de travailler avec des écrans là. L'intercepter, l'écran n'avait pas été pu être exploité correctement, donc anticiper quelque chose. Je pense qu'il y a un petit problème de communication juste sur la défense mise en place. Les égarements. Bellona qui est vraiment partie sur une grosse base offensive, déjà avec 39 points. Oui, avec les tirs ouverts. Ça, ils sanctionnent toujours, tout de suite en tout cas, moindre erreur est sanctionnée. Une belle adresse. Et des balles perdues, donc c'est là où on se dit que on doit être capable d'exploiter ces balles perdues et de recoller, être difficile hein, vu l'écart, mais en tout cas de montrer un autre visage. Défensivement et offensivement. Voilà, là on le voit défensivement,
beaucoup plus cohérent. Interception de Laetitia Kamba, relance du jeu, on court. Voilà. 3 points de Ambrosie Anderson, saut spécial, voilà, ça y est, ça rentre dans l'aile pour la gauchère. Sur l'écran. Bonne pression ici. Ouais, backdoor surpression. Du moment où il y a surpression, on laisse backdoor et du coup déclenchement d'aide. Et c'est des joueuses qui vous sanctionnent, passe, extra passe, et elles arrivent à trouver un tir. Et elles le concrétisent. Autour de l'écran là. Toya Macaulay qui vient défier Anne Wouters. Faute, pardon, effectivement. Les touches derrière, elle aurait pu même siffler lancer franc, elle avait peut-être arrêté son dribble. Ce sera une touche, ligne de franc. Apparemment sifflée par l'arbitre. Oui, là, il n'y a pas. Le contact est licite. La Victoria Macaulay réclamait elle aussi ses lancers francs. Elle n'était pas dans l'action de tir. Ballon perdu sur la remise en jeu. Tenir ses duels. Voilà. On est un peu loin, on lui permet de tirer. Après, c'est des joueuses sollicitées à défendre. Si on est trop près, elles vont driver. C'est, voilà, trouver la juste mesure. Siakamba, petite passe. Extra passe, tir ouvert. Pour Isa, Strunk. Ça tire en première attention, il faut vraiment être vigilant. C'est une équipe qui est très spontanée. Hein. Ça lui réussit pour l'instant. Oui, mais c'est son format de jeu. C'est une équipe qui a beaucoup de talent, qui est efficace. Donc à partir de là, le talent individuel s'exprime au sein du collectif sans mettre des choses trop compliquées en place. On n'a pas besoin d'avoir des organisations offensives très recherchées pour trouver des solutions avec autant de talent. Joueuse déjà très forte individuellement. Changement de nouveau pour Nice. Rachid Méziane fait rentrer Romy Barre pour Minia Touré. Oui, il faut tourner intelligemment sur les joueuses, arriver à trouver des solutions, et puis les absences. Le retard sur l'écran de retard qui n'est pas effectué, ce qui laisse une deuxième chance. Il va falloir vraiment limiter ça, voilà, pas leur laisser deuxième chance, elles sont déjà assez efficaces comme ça. Va être présent au rebond. Faute sur Romy Barre, sur ce rebond. Là, ça aurait mérité deux, vous savez, dans l'action de tir. D'ailleurs, elle est vraiment surprise de ne pas les avoir. Essayer de jouer avec Victoria, qui est la meilleure marqueuse de l'équipe. En tout cas, la meilleure évaluation aussi en Eurocup. Donc il faut aussi qu'elle touche des ballons, elle doit en toucher. Et là c'est plutôt bonifié puisqu'elle va bénéficier de deux lancers. Victoria depuis le début de saison, que ce soit en Eurocup ou en championnat, vraiment une joueuse régulière sur laquelle Nice peut s'appuyer, peut compter, qui est très importante dans les money time aussi. Oui, c'est une joueuse qui s'est adaptée aussi à l'équipe, au staff, à l'environnement et qui est de plus en plus performante. Voilà. Là, on a une nouvelle défense tout-terrain. C'est de mettre de la pression. C'est toujours délicat ces contextes-là. Il faut arriver à
pas se livrer, arriver à tenir la balle et être à plus dur, voilà, et être dans sur les lignes de passe, pas laisser de backdoor. Et là, en plus, on laisse à lancer derrière. C'est être généreux dans l'effort et intelligent dans le placement. Et souvent, on a envie de trop en faire, on veut trop bien faire. Lancer pour Chelsea Gray. Chose très importante hein, dans cette équipe turque. L'équipe turque qui joue ce soir sans Lara Sanders, qui est leur meilleure rebondeuse, hein. En tout cas en championnat. Là donc c'était une faute sur Romy Barr, qui est au-dessus des 3 points, voilà, est allée provoquer. Et qui aura de lancer franc. Le premier réussi. Nouveau changement. Ambrosie Anderson remplacé par Marie-Paul Faucossir. Ah, ce positionnement de base en 2-2-1 en tout cas. Avec derrière prise de joueuse, en tout cas sur les percussions individuelles. Gray qui continue d'enfoncer le clou, voilà, qui a une excellente main droite et qui en profite, qui va provoquer Romy Barr et qui obtient le N1 une nouvelle fois. Oui, là il y a un léger mismatch avec le poste 2, poste 1-2 qui vient dans la percussion. Maintenant, c'est les risques aussi. Enfin, je vois pas grand chose sur le saut à la balle, tenir la joueuse, la recadrer. Tant il y a ma collée qui continue. Il vient travailler autour des écrans d'emporteur et qui vient trouver des solutions dans l'agressivité. Hein, qui va provoquer là, la troisième faute de son vis-à-vis. Les supporters niçois qui essaient de pousser leur équipe ce soir. Les barbés niçards qui sont présents à chaque match pour donner de la voix à leur équipe, qui font aussi des fois les déplacements. Oui, ils sont allés en Suisse cette année pour les accompagner dans le cadre de la Coupe d'Europe en match de poule à Fribourg. C'est des supporters fidèles. Et c'est vrai qu'ils donnent de la voix et c'est important. Et on les remercie d'ailleurs parce que sont tout le temps là et très positifs. Ils font du bruit. Oui, et puis et je crois qu'ils ont réussi à créer un lien aussi avec l'équipe, parce que l'équipe leur est reconnaissante et ils le sentent. Et c'est bien quand on a aussi ces retours-là avec les supporters et les joueuses et le staff. En tout cas, Dubljevic s'est bien remise de sa douleur de tout à l'heure. Hein. Avec ce petit tir à la marquée sur le fadeaway, avec le contact de Marie-Paul Faucossi qui lui donne un lancer de plus en tout cas. Oui, c'est Romy là qui prend les commandes à la main. On essaie de jouer dessous avec Marie-Paul Faucossi qui ressort sur strike. C'est un marché, non? Non, elle est sur la ligne. Elle est sortie sur le côté. Sur la prise de vitesse, sur la réception, sur l'attrapé joué, elle a mis le pied en dehors. Ah, ça switch sur l'écran. Se livre derrière. Marché. Et heureusement, marché. Il reste 38 secondes à jouer, sûrement une possession pour Nice. C'est les Turcs qui auront une dernière possession, elles aussi, avant la mi-temps.
jeu là, c'est d'amener la balle le moins possible ou au contraire de shooter vite pour avoir une dernière possession. C'est Ron Hibbert qui a pris prend ce tir assez rapidement. Prise d'intervalle. Et ben là pour le coup, dernière balle sera niçoise. Et elle sera jouée vraisemblablement un peu tardivement en tout cas. Voilà, Isabelle se met dans un coin, elle attend, et là ça peut jouer, 10 secondes, ça passe dessous sur l'écran, hop, elle reste loin, elle sanctionne, Isa a une vraie qualité de tir. Un 3 points qui fait du bien là, voilà, juste avant la mi-temps, 25-52 en faveur de Bellona. Un score dur, dur, l'image de cette équipe turque qui a rouleau compresseur, qui est difficile à stopper. Si elle joue dans son rythme, elle est, elle fait très très mal. Puis une première mi-temps aussi entachée d'une certaine maladresse, avec cette difficulté sur les impacts et sur à s'adapter aussi à la dimension physique de cette équipe. Donc, maintenant, au staff de trouver les... montrer le vrai visage des Nice Angels sur cette deuxième mi-temps, parce qu'on sait tous qu'elles peuvent être beaucoup plus productives et plus actives dans les... et deux côtés du terrain. Je vais mettre un micro, si on se retrouve depuis la... Donc voilà, c'est la mi-temps ici à la salle Lérite à Nice. On vous rappelle le score 25-52 en faveur de Bellona. On se retrouve dans un petit quart d'heure, voilà, pour retrouver les Nice Angels et la seconde mi-temps ici à Nice. A tout à l'heure. Thank you.
porte bien, toi. Et vous parlez français. Un peu et lentement. Thank you.
Avec une équipe turque qui tire à 80% à 2 points, 66% à 3 points, avec une évaluation globale de 52 contre une évaluation niçoise de 25. Après, avec une telle réussite au tir, sur des situations plus ou moins discutables, avec des joueuses qui sont peut-être en retard, ça reste quand même des pourcentages exceptionnels. Donc, on va voir en deuxième mi-temps si cette adresse va chuter un petit peu. Un 5 différent en tout cas pour attaquer cette seconde mi-temps du côté turc. Seul Gray et Voters, Djokovic du 5 de départ reprennent, accompagnés de la 5 Askin et de la 14 Ivegin. Et côté niçois aussi, du changement pour le 5 majeur à la reprise de cette seconde période. Rachid Méziane a aligné Marie-Paul Fauprossi à la place de Victoria Macaulay. Et donc Laetitia Camba qui prendra certainement le poste 5
Oui, différemment. Dans les post-up, c'est pas une joueuse qui... pas un poste 5, c'est un poste 4-3. Donc Marie-Paul va peut-être jouer plus sur le 4 ou peut-être Romy Bert qui va être aussi sur 4-5. Voilà. Tire à 3 points. Et la 14, premier à l'échec. Le pourcentage baisse, enfin. Dans un jeu de transition, ligne à Touré. Gray qui est sur le terrain et qui est meilleure marqueuse de son équipe et meilleure évaluation avec 11 points et 21 déval. La surprise, on peut parler de surprise, on peut parler en tout cas de performance pour Mazic qui a scoré 10 points sur la première mi-temps avec une évaluation de 21. Rebond offensif de Wauters qui s'y prend à deux fois. Faire les box-out. Après, quand on switch sur les joueuses, on se retrouve sur des différentiels. Ah, l'intelligence de Wauters qui va refuser le pick and roll, qui ne va pas poser son pick, parce que s'il y avait eu pick, ça aurait donné la possibilité aux Niçoises de changer. Et qui va au contraire dans le post-up sur Mignat Touré. Et là, Dublevic qui obtient la faute sur sa percussion au panier. Ouais. De lancer. Là, on voit Rachid Mézène en train de donner quelques conseils à Mignat Touré sur ses positions défensives. Une jeune joueuse, hein, comme vous l'avez dit, Alex, qui doit assumer beaucoup de responsabilités en l'absence des meneuses titulaires, Camille Aubert et Alex Duché. Oui, une joueuse est naturellement poste 2, qui est pétrie de talent, mais dont... l'activité n'est pas celle-là. Et voilà, donc après elle est capable de le faire. Et pas avec peut-être autant de certitude que peuvent le faire Camille ou Alix. Très belle relation à trois dans le genre triangle avec Marie-Paul Foucault, servie par Romy Bert. Et toujours ces rotations défensives un peu difficiles en tout cas sur les prises de joueuses, ça switch surtout. On va tenir ses duels. Très bon stop là de Marie-Paul. Avec beaucoup d'envergure, voilà, qui a réussi à empêcher Gray de finir son double pas. Contre-attaque de Romy Bert. Petit shoot en suspension raté. Tête ligne de lancer franc. Rachid Mézène replace ses joueuses sur le repli. C'est vrai que c'est là où c'est le plus compliqué. Gérer les urgences. Défense individuelle donc. Ça change sur tous les écrans. Ce qui perturbe. Un petit peu les Turcs et pas la numéro 10, Djokovic qui continue son chantier. Oui, imperturbable. Hein. Déjà 7 points elle aussi en première mi-temps qui a fait beaucoup de mal à Nice et qui est très à droite là sur ce match. Ouais, c'est international monténégrine qui est très dense. Et à droite, est capable de jouer de haut cercle, de face, qui tire. Une joueuse très complète. Et qui vient d'encaisser 3 points dans la première personne. La shooteuse, ex-joueuse de Charleville-Mézières, qui maintenant on est à sa deuxième saison à Nice. Une joueuse très agréable humainement, très riche, vraiment toujours avec le sourire, sympathique et avec un bras extraordinaire. Une vitesse de tir vraiment incroyable. J'en profite quand on parle des Ardennes pour une petite pensée pour Julia Passemain. Celui qui est là, la muscu avec elle. Et la réponse de Gray là sur ce shoot à 3 points qui est marqué. Dans le corner à la dernière seconde, sur un oubli défensif. Elle est seule à jouer autour du pick and roll pour Romy. Ah, c'est raté pour Romy, juste un petit peu court main gauche. Bonne pression défensive. Ambrosia Anderson qui récupère la balle. Voilà. Romy qui reprend son tir derrière. Ça jouerait ça, alors là, des deux côtés. Oui, le rythme est agréable. Les joueuses font des fautes. Elles les annoncent, mais les arbitres ne les prennent pas. Ben, ça laisse jouer. Les arbitres laissent un petit peu jouer là sur ces contre-attaques. Donne l'avantage à l'attaque, justement. Oui, j'espère que c'est ça, hein, qu'ils ne sont pas pressés de rentrer à l'hôtel. Voilà. Laetitia Kamba qui joue dans les post-up, qui travaille sur le fadeaway, qui enroule. Le petit pas décalé.
Ouais. Très bien joué de la part de Laetitia qui a fait sauter sur une petite pointe de shoot son adversaire voteuse. Les switches gênent énormément quand même pour les transmissions, ça freine les transmissions. Donc effectivement le fait de changer de joueur sur chaque écran met plus d'agressivité sur les lignes de passe et rend plus difficile en tout cas la passe. À partir de là, ça demande plus de lecture, plus d'hésitation, d'où à marcher notamment. C'est vrai qu'Alice est reparti sur une bonne dynamique sur cette deuxième période. On voit que Rachid Mézian a aligné des joueuses. Il joue un petit peu small ball, on va dire. C'est très dynamique, très intensif là. Et ça va bien à Nice pour l'instant. Ouais, un carton pour l'instant qui est remporté 7-6. Nouvelle balle gagnée. Après, oui, small ball. Plus peut-être avec des joueuses qui sont capables de jouer un peu plus loin du cercle, de mettre plus d'activité, de jouer de face. Ouais, toutes capables de rentrer dans leur 1 contre 1. Et puis qui peuvent, c'est aussi par rapport à l'option défensive qui est prise. C'est assez homogène au niveau de la taille, athlétique, donc ça peut changer sur chaque écran sans créer un déficit en tout cas. Même si Victoria Macaulay est une joueuse qui tient très bien les. Contient très bien les dribbles adverses. Entrée de la 13, Cambas, justement. Oh là là, ce cross. Magnifique cross. Quand elle part sur ça, et c'est vraiment très très bas. Très impulsive, très impulsive, miniaturée sur ses premiers appuis. Difficile à stopper quand elle est lancée. Ouais, surtout sur ce geste-là, elle est vraiment très très efficace. Voilà, et c'est vrai que quand elle se retrouve justement comme ça, décalée dans l'aile, on voit que là, elle retrouve toute son agressivité et ce en quoi elle est douée. Et c'est pour ça que Rachid Mézian, normalement, elle l'a fait jouer en poste 2 justement pour qu'Alice bénéficie de son agressivité, de son impulsivité. Et on sait qu'elle est capable de vraiment remettre du rythme quand Alice en a besoin. Changement, retour de Victoria Macaulay pour Marie-Paul Faupossier et d'Isabelle Strunk pour Magnan Touré. Côté turc, Gray n'est plus sur le terrain, c'est Wright qui a la main. Toujours ce corner, là, l'exploitation de ce corner. Avec 4 joueuses à la périphérie systématiquement du côté turc. Et là on trouve un tir à 3 points avec une adresse encore folle. Ouais, panier de Dila Askin. Voilà, quand c'est pas Gray, c'est Askin. Elle se relaie, la ligne arrière se relaie et ça rentre, ça shoot et ça rentre encore une fois, 3 points. Ça bump plus à la peinture, ça bump fort, contact. Changement de sortie, 9-9 sur le carton. Ouais, c'est ce qu'on voit sur le terrain. Le jeu est un peu plus équilibré. Shoot difficile derrière le panier de Macaulay. C'est très Gamel. Difficile avec à 2. De l'autre côté, il n'y a pas de ligne de passe ouverte, compliqué pour passer un ballon vu le positionnement de la défense et la situation de la joueuse en attaque. Wright qui joue son duel, elle vient de défier. Laetitia Kamba trouve un petit tir là. Elle y profite de sa vitesse pour passer Laetitia et marquer 2 points sous le cercle. Et une joueuse qui est habituée, une joueuse qui a un gros scoring. Elle jouait sur l'impact, à partir de là, elle arrive à trouver des petits tirs. Pratiquement 30 longueurs d'avance là pour Bellona dans ce troisième carton. Passe décisive d'Ambrosia Anderson pour Victoria Macaulay. Elle a fixé vraiment pour elle. Victoria a même été surprise de cette passe. Elle s'en est bien sortie, elle est arrivée à se situer pour marquer 2 points avec la planche. On joue autour des écrans non porteurs là. Classique et ça switch et puis les ententes là entre les deux arrières avec une bonne défense de ouais. Même si Isa a tendance à laisser un peu la main sur le short là.
faut le switch. Premier, incroyable, parce que monter la balle sur le bas, être en pression défensive, passer la balle dans le dos, c'est quand même le faire. Hein. C'est la qualité technique de cette joueuse. Je crois bien qu'on arrive à isoler. Stromy Bar ce soir. Elle sera passée à la main, en arrière, elle dépannée aussi sur le poste 4. C'est une joueuse qui peut jouer partout avec du talent, avec réussite, voilà, parce qu'elle a du talent. Elle aussi, la joueuse allemande qui a rejoint Nice l'année dernière et qui a fait progresser cette équipe niçoise, qui a participé l'année dernière au Challenge Round, qui a fait grandir l'équipe et qui a amené Nice jusqu'en Europe cette année. Et elle est repartie là sur la contre-attaque. Ouais, après le stack là qui a exploité, qui a explosé. Et on retrouve une trappe intérieure. Allez Isa se trinque à 3 points. C'est dommage, t'as un bon tir ouvert. Ouais, pas de faute intelligente. Voilà, là, elle est, c'est frustrant de voir une faute comme ça parce que c'est juste bon, les deux se battent sur le rebond. Ouais, elle a de l'énergie, elle s'investit et... Bah, c'était pas méchant. Franchement, la 5 qui sort en courant. Hein. Ouais, ouais. Quand on sort chez les Turcs, c'est au sprint. Hein. Et Romy qui sort, Rachid Mezen l'a fait souffler un petit peu. Et Romy Barré remplacé par Jody Corneli. Ouais, bah là on va jouer avec deux postes 5 sur le terrain. À la différence tout à l'heure, on est plus grand. En revanche, toujours la même chose, ça switch. Donc voilà, il faut mettre plus d'agressivité sur le switch. La Victoria, il faut mettre pas le sur la ligne de passe. Mmh. Sinon, ça laisse des tirs ouverts. La Victoria qui essaye de jouer un contre 1 et qui prend un mur. Ouais, qui dégaye un petit peu dans son dribble. Ouais, je pense que c'est surtout le contact de Mazic qui lui fait mal. Elle fait obstacle avec la poitrine et de façon légale. Mazic qui a évolué déjà en France, hein, puisqu'elle était à Tarbes sur la saison 2013-2014. Elle n'est pas restée longtemps, mais c'est une joueuse aussi d'équipe, stable, qui est capable d'apporter de la dureté, du tir, elle pose des écrans, elle fait des passes. Voilà, elle prend un tir au large et c'est dedans. Elle était déjà sur un nuage en première mi-temps, ça continue. Ouais, une joueuse complète aussi qui est capable de shooter, de driver, très à l'aise avec la balle. C'est le très haut niveau européen. Petite passe inter, bien joué, relation intérieure-extérieure entre Strunk et Corneli. Dommage, c'est loupé, le bon rebond pour Nice et le 3 points d'Anderson dans le corner. Oui, c'est quand elle est sur du drive and kick, donc dribbler, attaquer, elle attaque sur la ligne de fond à partir de l'intérieur, se dégage en haut. C'est les codes de jeu quand on sort des plays, des organisations offensives. Enfin, sur l'écran, on va switcher. Isa ne peut pas passer sa joueuse, elle est postée. Avantage de taille, oui, ici. Elle arrive à passer le bras dessous pour le scorer. Points encaissés pour l'instant sur ce carton pour 11 points marqués par Nice avec une adresse en berne hein, quand même hein. Avec sur la première mi-temps 29% seulement à 2 points pour Nice, 50% à 3 points, ce qui est très bien en tout cas. Et là, des petits tirs ouverts, loupés. Premier lancé franc, réussi l'Ambrosia. Changement avant le quatrième carton. Mia Touré prend la place d'Ambrosia Anderson. Et il reste 20 secondes à jouer. Marie-Paul aussi était sur le terrain. Voilà, c'est ces fautes-là qu'on peut donner là, parce qu'à cet instant, il reste deux fautes à donner avant d'être dans la pénalité. On casse le rythme, il reste 13 secondes derrière, on peut se remettre en place pour défendre un peu plus
peut-être activement sur les lignes de passe. Et Bellona qui va sûrement attendre la dernière seconde pour shooter, avoir l'ultime shoot de ce troisième carton. Ça va percuter, ça va être dans l'agressivité. Oh, le contre de Jody qui permet un shoot longue distance d'Isabelle Strunk, c'est raté. Elle était loin là, Isabelle, ouais, pour tenter son tir. Sur le score de 38 à 70. On a baissé la moyenne de points encaissés. Même s'il y a 70 points, ce qui est beaucoup, hein. Ce n'est pas les standards habituels de cette équipe. Hein. Et 38 points marqués. Là, en revanche, on reste un petit peu dans ce qu'on marque depuis le début du match, avec 13 points marqués sur la période. Toujours compliqué quand vous loupez votre début de match, de trouver de la sérénité et de la réussite dans les tirs. Surtout pour des joueuses comme Isabelle Strunk, qui est une shooteuse. Voilà, à un moment, vous doutez un petit peu. Là, il y a déjà, défensivement, c'est mieux. Il faut construire sa confiance autour de ses aptitudes, en tout cas défensives, de ses ballons gagnés, de ses pertes de balles provoquées, pour avancer. En tout cas, très très belle équipe turque. Vraiment complète, très dure. Et à chaque poste... pèse vraiment, que ce soit la rotation ou la joueuse qui est dans ouais, le tous les postes chaque... sont doublés dans cette équipe. Oui, et puis ça, c'est vraiment dense physiquement, c'est propre techniquement. C'est une équipe qui est prétendante hein, pour aller jusqu'en finale de cette Eurocup. Oui, 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 effectivement. Voilà, les Nice Angels n'ont pas à rougir non plus. Elles vont se battre jusqu'au bout, mais c'est vrai que c'est une très belle équipe turque et voilà, elles essaient de faire le maximum avec cet effectif un petit peu réduit. C'est certain. Mais voilà, il faut qu'elles soient fières de ce qu'elles ont accompli jusqu'à présent et bonifier cette expérience-là dès dimanche à Tarbes. Et là, je pense que ça doit être les mots de Rachid, travailler des choses, mettre des choses en place pour anticiper, travailler des choses, tenter des choses. Toujours ces switches, un oubli là. Eh oui, sur Mazic qui sanctionne à 3 points. Oui, Rachid Méziane là qui donne dans ce début de quatrième carton du temps de jeu à ces jeunes joueuses comme Jody Corneli ou Marie-Paul Fopossi, voilà, qui ont besoin aussi de minutes de temps de jeu sur le parquet pour prendre confiance. Oui, surtout Jody qui depuis le début de la saison a peut-être un petit peu moins de temps de jeu. Marie-Paul aussi, même si on les voit évoluer, on voit de bonnes choses. Entrée de Léa Bender, joueuse du centre de formation, qui aura la lourde charge de défendre sur Mazic, qui est très très forte sur cette deuxième mi-temps, très propre. Et ça switch encore, voilà, la percussion dans les drives. On est sur les lignes de passe, on est dans les aides. Défensivement, c'est beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'en début de match, les Niçois se sont fait un petit peu surprendre par la vitesse d'exécution. Et là, Jody, l'interception. Est-ce qu'elle va se matcher? Non. Elle assure avec un petit double pas main droite. C'est dedans pour Jody Corneli. Voilà, on en parlait justement de ces jeunes joueuses qui doivent prendre confiance sur le terrain. Oui, et puis s'adapter. Elle a fait 4 ans à NCAA. Elle est revenue en France. Et puis, c'est pas le même basket. Fadeaway de Gray, qui est très très forte. Avant d'arriver en Turquie, elle était en Espagne, elle scorait 18 points par match, 14 points en Euroleague déjà à l'époque. Une joueuse référencée qui est capable de tout faire, passer, dribbler, tirer. Mouvement offensif de Jody Corneli là qui vient mettre 2 points sur une petite passe à terre d'Isabelle Strunk. On est capable de trouver des choses. Vraiment. Voilà, très belle activité de main là. Sur la sortie du pick and roll. Marie-Paul qui vient toucher la balle. Enfin, c'est toujours la question, voilà, les mains, le positionnement des mains pour ne pas perdre ses ballons mais les récupérer. 12 secondes à jouer.
On voit que Nice ne lâche pas, continue d'être agressif pour travailler, pour prendre confiance. Voilà, et ça paye. Ouais, balle gagnée sur le switch, elles n'ont pas réussi à rentrer la balle sur le mismatch à l'intérieur. À partir de là, elles ont cherché à partager le ballon de façon maladroite en tout cas. Bien aidé par l'intensité défensive déployée par les Niçoises. Ça refuse les écrans côté turc. Il arrive à retrouver Corneli. Encore une bonne relation entre Strunk et Corneli ici sur l'attaque. Il vient exploiter le refus d'écran sur le pick and roll. Donc elle attaque sur la ligne de fond et elle vient exploiter le petit jeu là dans le dos de la défense. Et changement, Cambas sort pour Ibjin. Voilà, et Jody qui réussit ses deux lancers francs, encouragé par l'assistant coach Grégory Munzer. Et Manu Niatouré qui touche la balle et qui la conserve pas, mais qui est vraiment sur la ligne de passe. Nouveau changement côté turc, sortie de la tasse pour Dubljević. Toujours ses relations intérieures-extérieures. On ne peut pas couper au buzzer. Possession des 24 secondes. Bonne défense de Nice. Voilà Rachid Mézène sur le banc de touche qui donne des consignes offensives à ses joueuses pour qu'elles travaillent. C'est, contre ces équipes-là, il ne faut pas rentrer la balle rapidement. Il faut au contraire travailler jusqu'à trouver quelque chose de clair et saisir l'opportunité. Et plus vous rendez la balle vite, plus vous défendez derrière 24 secondes. Et si vous enchaînez comme ça, c'est très très compliqué. C'est un peu ce qui s'est passé en première mi-temps. Apparemment, jeune fille s'est fait mal. Le masque ne l'a pas totalement protégé. Oui, il y a un coup au visage apparemment. Oui, mais c'est sa coéquipière apparemment qui lui donne. J'ai l'impression, c'est à 21 sur le contact. Seulement, Basic qui la heurte. Pas bien du tout. Hein. Apparemment, si elle avait un masque, c'est sûrement à cause d'une douleur de nez, ou une fracture, et je pense que... Elle a repris sur le nez. Et donc retour de Vauteur sur le terrain, au poste 5. Et de Dubljević aussi. Défend vraiment dans les appuis sur les joueuses intérieures. Voilà, nouvelle possession de 24 secondes. Belle défense où on a conservé les joueuses sur les écrans porteurs de balles où là on a switché. Ah, petite animation tout terrain. Ouais, une zone presse proposée par la défense turque. Oui, bah, il travaille, il freine, il passe en zone. C'est vraiment petite intensité défensive, hein. C'est juste pour freiner, pour travailler, je pense. Ça fonctionne, on est déjà à 5 secondes. On va chercher la skip là, avec 3 secondes. Un peu court pour Isabelle Strunk. Gérer ses replis là, c'est le plus important, prendre l'aide sur les joueuses, capable de communiquer défensivement.
Voilà, on switch vraiment que sur les pick and roll. Et après, ouais, on passe les joueurs. Voilà, qui se retrouve sur Winters. Winters. Deuxième défense consécutive en 24 secondes, les niçoises. Toujours cette zone presse, trois quarts de terrain côté turc, qui est vraiment faite pour freiner. Et qui est pas très bonne quand même, hein, parce que la relation diagonale complètement ouverte. Et petit tir de Leander. Interception de Leander. Pareil. Encore une fois, toute seule dessous. Elle ressort la balle cette fois-ci. Elle ne prend pas son tir. Ouais. Drive sur drive, toujours compliqué de refixer quand ça a été fixé avant. Et les joueuses sont en place, elles n'ont pas repris les espaces. Du coup, on se retrouve avec un tir compliqué, avec trois joueuses, deux joueuses en tout cas, qui viennent en opposition. Minatori qui prend la faute et qui sort, remplacé par Salomé Cordinier. Salomé Cordinier est là. Voilà, on joue très jeune là sur le parquet avec Salomé Cordinier et Léa Bender. Oui, Marie-Paul Fopossi et Jody Cornelier qui sont aussi très jeunes. C'est pas qu'Isabelle Srunk soit vieille, mais un peu plus âgée en tout cas. Qui défend très très bien sur Voters. Et ça reste en zone derrière. Voilà, les coachs travaillent. Hein. L'enjeu du match est scellé depuis bien longtemps. Salomé qui s'est fait charmer la prise à deux sur la jeune joueuse. Ça repart vite derrière avec Gray. Très fair play, Salomé qui relève son adversaire avant de partir dans le repli. Et Gray en contre-attaque, il met deux points. Très apprécié. Mais bon, elles étaient à 4 contre 4, donc ça va. Jody Cornelé vient exploiter backdoor, pas laisser le backdoor, voilà, ça c'est une vraie faute. Tant qu'à faire, autant en faire une vraie. Elle a peut-être voulu tenter le contre, Jody, mais elle est arrivée un petit peu en retard, voilà. Ouais, sans l'agressivité. Elle joue contre, mais l'intensité des. L'impact physique y est, ça évite d'avoir le panier plus le lancer. Au moins là on sait, il faut qu'elle aille sur la ligne pour prendre les points, sinon ça ne sera pas possible. Voilà, c'est une très bonne faute hein, quand c'est lancé loupé. Très rentable. Il reste 3 minutes 38 à jouer. Encore une faute à donner. Toujours cette zone presse, 3 quarts de terrain. Et le ballon, elle commence à être touchée. Hein, Gray, elle a vraiment envie d'aller intercepter cette balle. Là, c'est quelques secondes. Jody Cornelier était déjà dans la peinture à demander la balle. Donc, c'est une logique des 3 secondes. Violation. Ces 3 secondes. Autour de Romy Bert à la place d'Isabelle Strunk. Très bonne défense de Marie-Paul Fopossi sur la balle. Tient très bien l'international monténégrine. Et qui provoque le marché de Votes. Qui n'en croit pas ses yeux. Et bon, on va le prendre. Hein. Ouais, donc on met Barre qui repart en attaque et qui reprend la main pour Nice. Ouais, ben là, avec cette pression. Cette presse, c'est plus facile de monter la balle, moins contraignant. Assez ambitieux. Cette petite passe lobée sur un moteur, ce qui rend quelques centimètres à jeudi.
Les Turcs ne cherchent pas forcément les mismatchs, ils n'identifient pas forcément, ils jouent vraiment dans la continuité. Tu as loupé pour l'international Monténégrin, Dubcevic. Salomé qui est bien parti là et qui lâche le ballon sur un double pass dans la pénétration. Dommage, c'est loupé. Elle revient défense. Les changements sortis, voilà, vous voyez, de Marie-Paul Fauposi et Jody Corneli pour Ambrosia Anderson et Laetitia Kamba. Mismatch clairement identifié. Cette fois-ci, elles l'ont joué, les Turcs. Hein. Oui, mais sans le jouer, elle fait la passe. Ah, mais non, elle la veut, mais on dissuade en faisant rentrer à l'opposé. Par contre, voilà, pas laisser les up dans la peinture. Mmh. 48-78, 1022 à jouer. Ouais, les Miss Angels qui sont arrivés à laisser ces 30 points d'écart sans voilà, continuer à laisser évoluer l'écart entre les deux équipes. Oui, bah, y a aussi la gestion sur du côté turc. Hein. Voilà, un écart comme ça à mi-temps, toujours compliqué pour les joueuses de rester concentrées. Et c'est plutôt agréable la prestation des deux équipes sur la deuxième mi-temps, même ça a baissé de rythme. On voit plus de basket, plus de vitesse, plus d'abnégation du côté des Niçois, qui avait quand même des difficultés à s'exprimer. Et avec les choix tactiques du staff là, et de Rachid Mezian notamment sur les switches qui ont quand même désorganisé les Turcs. Très belle activité de bras de Laetitia Kamba. Et Romy Berg qui est sur la ligne de passe, interception. Et on oublie souvent l'activité du défenseur dans ces situations-là. On voit la personne qui a intercepté et celui qui est à l'origine de ça. Et on rentre dans les dernières 30 secondes de ce 16e de finale aller entre Nice et Bellona. Oui. Toujours ces switches sur les pics. Voilà, est-ce qu'on va réussir à mettre stop et un nouveau stop. La dernière possession sera niçoise. Et les supporters debout jusqu'au bout pour encourager les Nice Angels. Voilà, ça fait plaisir à voir, les fidèles supporters. Ah oui, une ambiance de folie. Toujours cette zone côté turc, 4, 3 à Salomé qui a du mal à lâcher sa balle. Et le dernier tir pour Gray. Et ça sera fini pour le score de 50 à 78. C'est la fin voilà, de ce 16e de finale aller de Eurocup entre les Nice Angels et Bellona Agu. Oui, tout à fait. Voilà, les Nice Angels qui se sont battus, qui ont essayé de résister au renouveau compresseur turc. Oui, avec un petit score en deuxième mi-temps, hein, parce qu'on est sur une base de 25-26 sur la deuxième mi-temps. Surtout un quatrième carton qui n'a pas eu beaucoup de scoring. Ça a baissé un peu d'intensité. Ouais, c'est vrai que les deux équipes étaient en roue libre après dans ce quatrième carton. Il n'y avait plus trop d'enjeux. Ouais, c'est sûr qu'on est roulé. On va quand même jouer. Là, les Niçoises vont partir pour la Turquie où elles joueront mercredi prochain. Ouais, mercredi prochain, voilà, à 18h l'heure du match. Sous la neige, avec une température de moins 3 degrés. Le différentiel va être dur, très dur. Quoi qu'il y a la vague de froid en ce moment, là sur les Alpes-Maritimes. Mais bon, c'est vrai que ça va être un peu plus frais que d'habitude. Voilà. Merci Sophie. Merci à Alexandre Mikhailov pour cette soirée, pour ses commentaires. Et on vous retrouve au prochain match. C'est ça, allez, on fait ça. On fait ça Sophie. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt.